Salut à tous, c'est Yex. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo, donc Braco du Casino en furtive. Je suis avec mon pote, le Premier ministre. Sa chaîne s'affichera sur l'écran. Salut! Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va tenter de faire parfaitement le casino J'aime détente. bien le parfaitement. Oui, non, non, mais J'aime parfaitement, bien. c'est un grand mot parce que bon, voilà. A few inches later. On va faire, pour les connaisseurs, la méthode du Bogdan. C'est moi qui lance le braquage, donc je suis chef d'équipe. Je vais me mettre à 15%. Quand Blacky va prendre 85% des parts, à la fin de la mission, je vais quitter juste avant le lancement du générique de fin. Le braquage va s'annuler, mais Blacky aura quand même sa part. Bon, comme tenue, on va essayer de trouver un truc pas trop dégueu. Moi, j'ai toujours été fan de l'escroc de luxe avec la petite casquette là. Rien que le nom là, escroc de luxe. Escroc de luxe, bien plus que des voleurs. Petite technique de speedrun. Alors pour ceux qui se demandent, ici on va rentrer par le toit. Et voilà, on va prendre cet hélico et on va. On peut essayer de tenter l'élite. Ouais, on peut essayer. On va se jeter en parachute sur le toit du casino et on va rentrer par le toit. Les détails du braquage. Nous sommes dans furtive, entrée héliport nord, sortie salle personnelle. Notre cible c'est l'or. Et voilà, je crois que c'est tout, on n'a plus rien à ajouter. Après, il n'y a plus qu'à laisser le talent parler. On l'a fait des dizaines de fois. Allez, c'est parti. Ah, je suis en FPS et épique. Hop là. Je ressens les caméras. Ah. Ok. Je m'occupe du piratage, vu que c'est moi qui tourne. Ouais, je fais le piratage, ça va me faire entrer automatiquement. Ok, donc ici on pirate. J'ai désactivé la caméra. Ah bah, même pas besoin, on avait les cartes. C'est professionnel. Ah ouais, hein. Professionnel ici. Donc nous voici dans les machineries du casino, puisque je suis ingénieur en machinerie. Donc surtout ne défoncez jamais pour une caméra, sinon vous allez vous faire griller. Et ne prenez jamais AX, X, appelez-le comme vous voulez, comme acolyte. Mais pourquoi? Ne risquez pas d'aller bien loin. La preuve vient se casser la gueule dans l'escalier. Tuer cette femme de ménage qui brosse l'ascenseur et qui est manifestement sourde. I don't like where this is going. Donc je vous dis juste un petit coup de pub pour mon pote. La vidéo sur les tasers, sur le Raigun et le lanceur pyrotechnique pour les avoir en mode libre et sur sa chaîne. Donc allez voir. Toujours fonctionnel bien sûr. Ouais. J'ai encore testé hier. Mais non mais sa tête va tomber, sa tête va tomber. New kitchen gun. Marin, fais gaffe hein. T'as vu? Bien joué, bien joué. Quand tu fais du tryhard, ça passe. Faut se bouger le cul avant qu'ils aient le temps de réagir. Ok, j'ai tué le gars dans la salle des caméras, on peut rentrer. Attention, on ne peut plus péter de caméra sinon on est grillé. La furtive c'est la seule méthode, l'une des seules méthodes où tu peux tenter vraiment le coup bonus quoi. Parce que la bourrine tu peux le faire aussi, mais le problème c'est que tu le perds en cours de chemin quoi. C'est pas très utile quoi. Que la furtive c'est vraiment la méthode où tu peux choper le coup bonus facilement. Vas-y maintenant. Ok, allez je vais t'ouvrir, tu vas aller chercher. Attends, il faut juste que je sache quand la caméra est tournée ou pas. De toute façon si tu longes le mur elle est trisomique, elle te voit pas. Ok. Regarde, je peux passer. Vite vite vite. Ah. Yes 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 yes. Ah. Quand tu longes le mur. Donc là ici c'est le coffre bonus. Donc c'est un coffre pour démarrer. Donc on va prendre les lettres de billets. Petit coffre bonus avec les recettes quotidiennes. Bien sûr je ne coupe pas quand je prends les billets, ça ne sert à rien. C'est bon de voir l'argent qui s'amasse. Alors est-ce qu'on aura un peu de chance? Le coffre bonus ça peut aussi entre 15 000 et 90 000 dollars. C'est vraiment de...
purement aléatoire. Il y a plusieurs tranches que vous pouvez avoir, et ici je pense qu'on a, on a de la chance. Ouais. Parce qu'on a 76 500. Il y a plusieurs tranches prédéfinies par Rockstar, et l'une des plus élevées c'est 76 000. Alors attention aux caméras, parce qu'ici je sais qui... Attends, mais parce qu'à un moment il y a un garde qui va apparaître ici. Il faut le tuer vraiment au bon moment, il faut attendre qu'il monte. Utilise son taser, bon, utilise son taser. Non voilà, tu vois il faut le taper, voilà. Parce que si tu le one shot pas, il va donner l'alerte. Il y a deux mecs derrière. Ok, ouais. Je prends celui de... Kitchen gun. Alors, il y a le mec du fond qui freeze, donc tu vas te planquer. Tu vas te planquer au fond, moi je vais défoncer le mec qui est freeze. C'est pas facile. Ah le psychos Google. Pitié quoi, on a déjà tué tous les bons gardes avant, du coup ils sont obligés de mettre les stagiaires. Les stagiaires. Bon, du coup il y a le... On va utiliser les drones, on va utiliser les drones. Rien à foutre des drones. Fuck it. Fais juste gaffe à la caméra. La cette caméra, j'avoue qu'elle m'emmerde parce qu'elle est braquée sur nous, du coup on est obligé de longer le mur. Attends, il faut qu'on longe le mur, faites la fête. Très discret. Particulièrement discret, n'hésitez pas à faire ça chez vous pour essayer. Allez hop, ramène ta fraise. Deuxième fois que je fais la blague. C'est ça le... Allez, ramène-toi. Les bracos du terroir. Ok, 3, 3 2, 1. Oh. Et l'autre con qui a pas vu ses collègues étaient morts. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner si c'est pas déjà fait aussi. Alors. Allez, go. 3, 2, 1, top. Voilà. Ok, je vais donner le dernier coup. Voilà, c'est bon. Ça me reste toujours ce truc. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, ouvrons la porte. Alors, petit moment de tryhard. Ok, donc là on va devoir pirater. Notre temps de... Ok. Et je vais sur... Moi je vais sur F et G. Et je vais sur D. Chope des endroits où il y a deux clubs, on peut pas tous les prendre, du coup il faut être logique. Ouais, moi je prends F et G. Moi je vais sur D et E. F et G, j'ai deux portes. Ouais. Ok. Là on pirate. Allez, mène-toi pour les hacks. C'est fait, j'ai piraté la grosse porte. Oh, c'est bien, il y a qu'un hack parce que je croyais qu'on était en difficile. Pas du tout, je sais pas, j'ai encore des... Allez, let's go. Bon, on ramasse les tables. Ok. Je peux, si tu veux, prends tes tables et quand tu ressors, prends C, A et moi je prends B, G, F. Ok. Comme ça on sait tout prendre. Enfin tout prendre, on sait prendre ce qu'on peut. Ben on... faut presque tout prendre. Moi je prends B, G et F. Ok, moi je vais sur E, A, C. Il faut toujours commencer par les extérieurs, si tu commences par le centre, tu perds un peu. Yes. Tant de malade. Tu perds bien 10-15 secondes. Pourquoi il ouvre son téléphone, il est con. Ouais, et donc tape qui sont buggés dans le masque. Alors. Ah. Ah bah tu prends F toi. Ouais, je prends F et B. Il restera plus que et H. Et m'aurait-il. Et m'aurait-il, on vrai, a le temps. Va faire... ouais, ouais. Ouvert, non, H aller... est fermé. H est fermé, ouais, non, prenons pas H. C'est trop de risques. T'as déjà fini? Ouais, vas-y, j'ai... vas-y, passe tu rush, va vite ouvrir rush, y'a qu'un hack. Fonce! Parce qu'en plus c'est près de la sortie. Allez, 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 allez. Allez, moi à 15 faut que je sorte. Je vais peut-être pas le temps de tout prendre, ça va se jouer à quelques lingots. Allez, sortons! Oh, le coup de maître! Deux. Magnifique. Ok, 3, 2, 2 1. Oh, on a une de ces cagnottes. Bien joué. Ça, c'est beau, hein. Bon, maintenant, il s'agit de se barrer de là comme on est rentré. C'est-à-dire sans un bruit. La caméra, la caméra. Allez, faut vite tuer les deux du fond. Qui revient. Alors ils sont légèrement sourds parce que je rappelle qu'il y a eu 3 coups de feu. Mais passe. Ah non, elle est fermée de l'autre côté. Merde.
Ah merde. Merde. Allez, tu... Allez, on se fait la malle. Recherche ton gun. Attends, il y a Jean-Louis qui arrive sur la droite. Le braquage. Jean-Louis, 54 ans. Comment une table en inox à 150$ peut ruiner le coup du siècle? Les flics en ont marre de réciter leurs textes. Oh non, ils en ont plein le cul, ils ont répété ça 600 fois. Putain, avec toute la balle qu'on s'est pris, c'est plus de l'or pur, c'est de l'or plombé. Ah non! Non! Ah non! Oh, mon perso qui se met debout sur la barrière! Et il prend la vieille balle perdue là, je sais pas si ça fait exprès. Oui, bien oui. Alors retenez bien que ces flics ont Alzheimer, vous avez compris la blague, retenez bien. Ah, c'est pas drôle. Je viens de comprendre. C'est que. C'est l'occasion pour moi de prouver mes talents de pilote surtaché. Non, pas montage. Ah oui, ça, tu vas couper du coup. Eh, mais c'est un sketch. Putain, c'est frustrant à mort. Et l'autre qui est là. Qui veut une toi? Oui, Liam, je vois ta lumière. Ah, c'était une lampe. Ah, alléluia. Ah, la sortie. Mais arrête-toi, hein, mais c'est quoi ce cyborg? Attends, on n'est pas perdu là? Je crois bien. Là, ça fait 6 ans que nous attend. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était IEX avec mon pote le Premier ministre. On se retrouve pour un prochain braco et une nouvelle. Il est fatigué le Premier ministre là. Now I can be seen again.